Imaginez que vous soyez au chômage, que votre seul moyen d'obtenir un job, c'est de réussir un Rubik's Cube à l'arrière d'un taxi en moins de 1 minute 45. Que feriez-vous? Je suis Super Echo et sur ma chaîne, j'apprends des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre le Rubik's Cube. Allez, c'est parti. Nouvelle compétence à débloquer. L'objectif avec ce Rubik's Cube, ça sera de le résoudre en 1 minute 45. Parce que c'est le temps que met Will Smith dans le taxi, à la recherche du bonheur. Allez, on y va. L'étape 1, la croix blanche. Faut connaître les combinaisons par cœur, en fait, c'est tout. Qui c'est qui a inventé ce jeu à la con, là? Oui! C'est hyper jouissif comme jeu. Là, tu donnes ça à un gamin, il est occupé pour 3 heures. Oh oh là, je suis sûr que je vais me planter, là. Je comprends pas, et je suis sûr que si je fais la formule, je vais avoir tout à refaire. En fait, je vous imaginais qu'à l'époque, il n'y avait pas de tutoriel, donc les mecs, ils devaient vraiment le résoudre par eux-mêmes, quoi. Yes! 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 Bon, on a réussi une fois, maintenant, faut réussir à descendre en dessous des 2 minutes. Ok. Ok. Et c'est un troisième Rubik's Cube! En 8 minutes 39. Yes! Encore, et cette fois en 7-19. Ouais, j'ai gagné 1 minute. Alors, le chronomètre, il est lancé. Parti pour le record du monde du Rubik's Cube. Alors, il est lancé. Il faut qu'il fasse une croix blanche. Alors, va-t-il réussir à faire une croix blanche? Et on n'a plus qu'à faire la formule finale qui est: je te prends par le... la main. Non, tourne pas. Putain, j'ai failli faire une erreur monumentale. Heureusement, j'ai réussi le Rubik's Cube en 6 minutes 30. En tout cas, c'est une activité que j'adore et je pense que je vais la continuer toute ma vie. Quand je voyagerai, je ferai du Rubik's Cube, c'est très, très ludique. Merde! Et voilà pourquoi ça marche plus là, je comprends pas, il y a un problème. Vous voyez là, j'ai tout fait ce qu'il fallait et ça me refait ça. Eh, ça m'énerve! Ça me pète les couilles. Et c'était quoi ton record? 30 secondes? 30 secondes à peu près. Ah bah si, bah voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que tu peux pas le finir. Pourquoi? Il y a qu'un seul angle qui est mal placé, donc c'est infinissable. Mais ça me fait ça à chaque fois. Voilà. C'est parce qu'il était cassé? Tu l'avais bougé en fait. Quand tu fais les mouvements trop vite, de temps en temps tu tournes un angle. Oh non. Et après tu peux plus le finir. C'est pour ça. En fait tu faisais tout bien. Okay. Sauf que bah du coup il était mal placé. Je sais pas si vous avez vu le film Snowden avec Joseph Gordon-Levitt, mais en gros il utilise le Rubik's Cube comme un signe d'identification de sa personnalité. Snowden le résout en vrai en moins d'une minute il me semble. Dans le film, alors a priori c'est pas forcément vrai, mais il a caché la carte SD où il y avait toutes les informations sur le gouvernement, la CIA, tout ça, dans le Rubik's Cube, qu'elle aurait ensuite jeté à un agent de sécurité quand il passait au portique. Et c'est grâce à ça qu'il aurait pu s'enfuir avec les informations, quoi. Je sais pas si vous avez une idée de combinaison qu'on peut faire dans un Rubik's Cube. C'est 43 232 3274 489 846 000. 2:30. Eh, j'ai gagné 30 secondes. Je vais essayer de mettre de la musique pour me motiver à aller vite. Oh! Ça fait 1:57. Je suis passé sous la barre des 2 minutes. On va faire des trucs hyper rapidement comme ça. Et bah, en plus de devoir faire ça, ce qui est pour moi le plus dur, c'est l'analyse. C'est à force d'avoir analysé, au bout d'un moment c'est instinctif, mais moi je suis encore un peu dans l'analyse. Et c'est ça qui me ralentit en fait, parce qu'après mes mouvements de doigts, même s'ils sont pas encore toujours très rapides, ils sont efficaces. Je fais sur la musique de This Is, appelé les Ndek, c'est trop marrant. Mes albums c'est des cathédrales, on les comprendra plus tard. Leurs albums c'est des fajitas, on les chie une heure plus tard. Toi, j'imagine même pas les mecs qui font ça en 5 secondes, comment ça doit aller vite dans leur cerveau. Oh oui, 1:54, putain, hein. 10 secondes encore, purée. Ah, je vais faire une petite pause détente.
Bon, c'est bien d'avoir réussi une fois. Maintenant, il faudrait au moins que je le fasse une deuxième fois. Ah ! 1 minute 46 secondes. Pour ce Rubik's Cube, j'ai utilisé une formule que je vous mettrai en lien dans la description, qui est une vidéo d'un tuto assez simple qui fait 4 millions de vues, donc je vais pas refaire un tuto. Allez voir ce tuto qui est très bien fait. Pour moi, le Rubik's Cube m'avait toujours apparu comme quelque chose réservé aux petits génies, aux mathématiciens, aux gens qui aiment les formules, tout ça. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, parce que moi j'ai un QI de 25. Ne vous mettez pas de barrières limitantes sur ce que vous êtes capable ou non de faire. En fait, vous êtes normalement capable d'apprendre tout. J'ai envie de dire, de toute façon, essayez, vous verrez bien. Au pire, vous allez réussir. Si vous avez appris quelque chose avec moi, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et n'oubliez pas, force et utilité.